Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à thème tambour de chez Temu. Voilà. Alors, je vous mettrai pas les liens des produits que j'ai achetés parce que les retrouver c'est pas simple parce que souvent les liens sont vides. Par contre, n'hésitez pas à chercher sur Temu. Soit vous tapez kit de point de croix. Kit de point de croix complet, kit de point de croix enfant. Et dans enfant, vous trouvez tous les mini kits que je peux vous présenter régulièrement sur la chaîne. Donc voilà, j'ai dit que j'allais me calmer au niveau des achats de toiles sur Temu parce que ouais, c'est pas cher, mais après ça fait beaucoup toile à broder. Hein. Bon, là j'ai qu'une hâte, c'est aller commencer une toile. Sauf que voilà, j'en ai plusieurs à vous présenter et que on va pas aller en commencer une tout de suite. Allez, on attaque. Alors, voici la série des champignons. Alors, j'en ai plusieurs, je cherche les autres. Ou bon, on verra. Alors, je vous en ai déjà montré dans une autre vidéo. Je vous fais les montages et puis après, je vous mettrai tout en ligne. Petit à petit, je vous distillerai ça au milieu, enfin, au milieu d'autres vidéos. Alors, on a le tambour, déjà. Alors, le tambour, sur certaines toiles, il devrait m'en manquer parce que j'en ai donné à ma maman. Et que j'en ai encore plein, donc... On ramènera peut-être. Ici, j'ai un toolkit avec. Qu'est-ce qu'on a dans notre sachet zip? Un enfil aiguille, deux aiguilles du 24 et un coupe-fil. C'est pareil, je vais en faire une collection. Ah, ça peut toujours être utile. Et puis ceux qui ne coupent pas, comme disait ma grand-mère, à la jarrie. Alors, on a cette toile en 24 par 24. Donc, le fond va être à broder et on a des petits champignons. C'est trop chou. Moi, j'adore. Oui. Alors, ah, mais oui, qui dit tambour dit suspension. J'avais oublié que j'avais mon kit suspension. Alors, je pense qu'à un moment donné, je vais me faire une boîte avec tous les kits suspension. Puisqu'il y a très peu de toiles que je vais suspendre. Eh bien, tiens, regarde les couleurs en premier. On a du noir, du rose foncé, du rose clair, du rouge, du vert foncé, du vert clair. On ne peut pas faire plus simple. J'aime beaucoup, franchement, ouais, j'aime beaucoup les couleurs. On va pas se le cacher, hein. Moi, je suis fan. Ouais, mais l'impression, elle est trop bien. Tu ne commenceras pas cette toile, Gwen. Tu ne commenceras pas cette toile. Non, on va en commencer une autre. Regardez-moi l'impression, c'est magnifique, c'est trop beau, c'est que du bloc, c'est... Voilà, il y a un peu de travail dessus parce qu'il y a tout le fond à faire. Et encore, ça c'est si vous voulez faire le fond, parce que vous pouvez très bien décider de ne pas le faire. Mais ça reste une toile, il n'y a pas... Ça va être très agréable à faire, à broder plutôt qu'à faire. Hop. On range tout. Et là où les Athéniens s'atteignirent. Merci, merci, merci. Ah, j'adore. J'ai réussi. Victoire. Et une victoire par KO de win. Non, je vais arrêter mes bêtises. Ah, celle-là, non. J'en ai pas une. Celle-là. Alors, voilà, celle-ci elle va être bien aussi. Regardez, on a ça. Alors, bien et pas bien. On en parle. On a un toolkit, pas un kit suspension. Un toolkit comme l'autre, mais avec un bidule orange. Ah, on a les aiguilles. Les aiguilles en vrac. On a 5 aiguilles en vrac. Ça, c'est bien ça. Et c'est ce petit colibri. Voilà, j'essaie de faire en sorte que ça ne, comment on dit, brille pas. Très mignon. Toile partielle. Donc on va avoir le détail des coquelicots. Donc ça c'est un coquelicot, des grosses fleurs, des petits points et du colibri, mais c'est tout. Ça me rappelle quand j'habitais à La Réunion qu'il y avait des colibris. Alors la toile. Voilà. Ça c'est l'envers, hein. On pourrait même la broder à l'envers. Elle a dégorgé le rouge, le bleu, ouais.
le rouge et les deux bleus là, c'est une cata. Ça n'empêche pas de la faire. On arrive à voir quand même, c'est un peu flou, mais on arrivera à la faire quand même. Elle est à l'envers, voilà, dans ce sens-là c'est mieux. Malgré tout, franchement, elle est trop choupette cette toile. Donc on a 8 couleurs. On va se retrouver avec du violet pâle, du violet foncé, du noir, du jaune, du rouge, du vert, du corail foncé et du vert clair. Donc 8 jolies couleurs avec les références DMC toujours en bas de la toile. Sur le côté de la toile, vous retrouvez ici comment qu'il faut broder. Ouais, c'est très français, je trouve. Enfin, je m'en mette à parler correct. Hein. Bientôt la rentrée. Hein. Faut faire un effort. Ah là là. Oh, tant qu'on n'a pas de nouvelles. On peut tout stresser, hein. On a vu comment ça s'est passé l'année dernière. Là, clairement, je vis au jour le jour. J'ai mal à l'épaule. Ici, nous avons un petit. Voilà, c'est celui-là qui va avec. Je vous explique là pourquoi. Parce que j'ai enlevé le tambour. Donc, on a le tambour tout seul. Est-ce qu'on y remettra le tambour? Peut-être pas. Nous allons voir. Donc, petit écureuil. Par celle aussi, un peu plus de boulot que sur le colibri. Mais là, ça va être de saison, on va être obligé. Hein. Le toolkit avec 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il est possible qu'il manque des toolkits parce que c'est pareil, mon père. Oh, c'est intéressant, faudrait que je vois pour reprendre des coups de fil. Tiens, un cadeau. C'est à peu près ça. Ah, et j'ai en plus deux aiguilles là. J'ai mon kit. J'ai dit mon kit de survie, non, c'est pas ça. Les couleurs. Regardez-moi ces couleurs. Du noir, du rouge foncé, du rouge, du vert foncé, du orange, du jaune pâle et du vert pâle. Magnifique ces couleurs, j'adore. Et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Et ben là, ça n'a pas dégorgé. Purée, qu'est-ce qu'il est choupinou. Mais il est mignon tout plein. Bon bah celui-là on va essayer de se le faire sur l'automne hein. En septembre ou en octobre on va se le mettre de côté je pense. Il est trop chaud. Il est trop mignon. J'adore. Oui alors Gwen elle est un peu folle hein. Vous en faites pas. Ne soignez pas. Je suis fatiguée. J'ai bien dormi. Mais le temps orageux est tout bon. À pas se cacher, les trucs de filles, elles sont pas très loin. Donc forcément, fatiguées. Hop. On remet tout ça dans le bazar. Et nous, on le met de côté. Et donc dans la même famille, alors j'ai pas le tambour puisque je l'ai donné à ma maman. Je sais pas si je les dépouille aussi de son toolkit celui-là. On a regardé quelques toiles avec maman quand même. Alors, donc Thierry. Donc lui aussi impartial. Plus de travail, je dirais, que notre petit écureuil. C'est pas nous. Avec la pomme, il fait plus septembre, lui. Hein. L'autre, il fait plus, on le fera en octobre, hein, vous trouvez pas? Donc, on a le. Enfin le kit de suspension, les aiguilles, je vous dis, hein, je suis pas sûre d'en suspendre quoi, quand en même temps cela serait sympa. Après j'en ai plein de tambours donc. Oh bah oui, mais regardez monsieur Septembre, il est petit pas trop mignon, faut que j'arrête de pousser mon banc. Bon, c'est un peu le bazar là, vous voyez du bazar autour. Si vous voyez les tas à côté de toiles qui m'attendent pour les unboxings, c'est la honte. Non, il est vachement bien celui-là. Bon, je vais essayer de me le faire sur... Je ne dis même pas de le commencer, je parle de le faire complet sur le mois de septembre. La fille, elle y croit trop. Genre, elle croit qu'elle aura du temps entre toutes les réunions, la reprise de l'école, tout ça. Mais oui. Alors, du noir,
Du jaune foncé, du rouge, du orange, du bordeaux comme j'aime, du vert, du marron clair et du 3865. Ah mais c'est ça donne tellement envie! Ces mini toiles, vous savez quoi? J'en ai même pas encore commencé une seule. Ce sera l'occasion en septembre, puisqu'on aura du temps. Ouais, d'accord, je prends le bâton pour me faire battre. Donc, à faire. Voilà, mais c'est embêtant là. On peut pas tout faire, on est d'accord. Donc là, je suis sur le côté parce que c'est ouvert, donc on va pas s'embêter. Donc, on a l'anneau, on a les aiguilles, on a le toolkit avec 5 aiguilles. Oh, l'autre toolkit, j'ai dû le donner à mes parents. Ils se sont partagés. Le petit renard. Ah, oh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. J'adore. La suspension. Je crois qu'ils existent aussi sans les tambours. Mais la promo que j'ai eu, c'était. Enfin, quand je les ai eus en promo, ils étaient moins chers avec le tambour. Donc j'ai pris avec. Hein, que voulez-vous? Du noir, du rouge, du orange, du doré. Les verts et du blanc. Si j'ai bien fermé la porte de Namour. Non mais j'entends du bruit. Je l'ai censé faire dodo, Namour. Oh bah là l'impression elle est bien. C'est un peu bavé là au niveau du rouge. Tac. C'est léger. Hein. Mais sinon, bah, pareil, il donne envie. Bon bah je le ferai aussi au mois d'octobre. On fera deux toiles tranquille. Je blague. Je plaisante. Hein. On ne suis pas capable. Surtout qu'en octobre, bah début octobre, on a l'anniversaire de Lilouane. On aura sans doute la première réunion parents-profs au collège. Bah des deux côtés, pour Lilouane et pour moi. Donc, les bilans de mi-trimestre avec les parents. Pas mal de corrections. Non, au mois d'octobre, mais en fin octobre, les vacances. Ça peut être le projet des vacances de la Toussaint. Nous verrons. Nous n'en sommes pas encore là. Ah, ben oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est un signe. Comme le truc est cassé, il faut que je le fasse. Hein. Oui, bon, je suis pas crédible. Et alors? Alors ça, c'était quoi ce savaillot? On fait que du tambour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ouais, ça c'est beau. Ça, il y a plus de boulot. Ça, mais moi j'adore. Moi, je rêve. J'aime ce ciel. J'essaye de pas trembler. Oui, bon, c'est mort. Bon, alors, je disais, j'adore le soleil, le ciel, les montagnes, les fleurs. C'est trop joli. Donc, on a notre cerceau. Notre toile qui est légèrement pliée. Hein. Ah mais la toile elle est trop belle. On a 12 couleurs sur celle-ci. Donc il y en a un peu plus. Il y a plus de boulot que sur les autres. Hein. On retrouve le toolkit. J'aime bien ces kits-là. Ça. Bon, je vais pas avoir mes aiguilles en carton. Non. Ah la vache, ces bleus-là, mais c'est magnifique. Vous avez vu ça un peu? Les bleus, ils sont trop beaux. Ici, on a du corail, du jaune, du rose, du vert foncé, du jaune pâle, du bleu foncé et du vert. J'adore. Ah, moi, je suis fan. De toute façon, vous le savez, j'aime ou j'aime pas. Le problème, c'est que j'aime beaucoup. Je me retiens, si vous saviez, depuis hier, j'ai commencé une nouvelle toile dans ces petites collections-là. Alors pourquoi je me retiens? Parce que je voudrais finir la tête d'oreiller de ma Hélène d'abord. Parce que si je pense sur une toile comme ça, dedans, c'est fini. C'est fini, j'aurai pas le temps de finir les. Donc je mets de côté pour commencer dès que j'aurai terminé. Alors là on est sur
je dois repartir sur la série des champignons. Allez, j'ai mon sachet qui est abîmé. Alors, je l'ouvre par où, lui? Ben, on n'ouvre pas, comme ça, on n'abreuve pas. Donc, maintenant, moi, j'ai ma série des champignons au complet, donc je suis contente. Encore un tambour. Donc, un petit champignon en partiel, puisque le fond n'est pas à faire, le fond blanc. On a notre kit. Notre toolkit, nos fils. Alors, sans surprise, on a 5 couleurs avec du rouge, du vert, du orange, un rose pâle et un vert clair. Et une toile qui est top. Lisa. Ah, une toile qui est défectueuse. Bon, c'est pas grave ça. Est-ce qu'on peut. Couperet à ras, bon, c'est des choses qui arrivent, ça se verra pas une fois brodé, quitte à faire le fond finalement pour cette toile là hein, c'est pas grave, du blanc on en a. Très très belle impression en tout cas, elle est très jolie. Bah, je vous montre de près le petit défaut là, vous le voyez bien ici. Bon, c'est pas bien grave. Ouais, je pense que bah, pour celle-ci on fera le fond hein, que voulez-vous. Parce que même en coupant à ras, j'ai peur que ça se voit un peu quand même. Mais enfin, c'est pas grave, c'est trop mignon. J'ai du 3865 à revendre. Ah bah avec ma collection de tasses, je peux vous dire que j'en ai pas mal. Hein. Alors, hop. On va essayer de faire ça au mieux. Hein. En sachant que ma pochette était morte. Pas grave. Ah. Une collection de petits ronds ajoutés après. Et je vais y mettre le temps de. Doucement. Ah, si. Ça passe. Ça passait une fois, ça passe une deuxième fois. Hein. Voilà. Manger. Suivant. Donc, hop. Donc, ah, celle-là, elle est. C'est pas ça, voilà. Donc, on a notre tambour. Et la toile est réemballée. À côté. Mmh, ils sont beaux ceux-là, regardez. Il y a du rose, il y a du bleu, du rouge, du vert. J'adore, c'est joli. Le kit, le toolkit avec. Cette fois, ils nous ont mis deux aiguilles dans le. C'est deux. Ouais, c'est deux. La toile, elle est comment la toile? Oh là là, c'est joli. Vous vous rappelez, mangez-moi, mangez-moi. Bah là, c'est brodez-moi, brodez-moi. Bon, d'accord, il n'y a que les personnes qui ont un certain âge qui se rappelleront de cette chanson sulfureuse pour les POC. Donc, on a du rose foncé, du rose clair, du rouge, du vert qui a un nœud là. Bon, du vert clair et un peu de bleu. Donc, 6 couleurs pour cette jolie petite toile. J'adore, franchement. Pourtant, hein, je peux vous assurer que le champignon, ça m'a dit pas spécialement. Mais, voilà. Il y a un truc. Il y a un truc. Les toiles, elles étaient trop belles. On met ça dedans. Vous voyez comme je range bien. Oh, je suis fière de lui. Alors, on a un problème. Ça ne passe pas. Ah oui, ça fait bien. Hop. Et voilà. Ensuite, plus de toiles. Et encore des champignons. Et cette fois, c'est pas les mêmes. Sans doute.
Non. Ah non. Ah mais c'est pas loin. Hein. Il est rose et puis le bleu il est là. Le plomb, c'est pas les mêmes. Taux d'attention d'une grenade à cette heure-ci, 0%. Donc, le tambour. Et encore un sachet. Et la toile. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils nous mettent le trait. Alors, si c'est pour cadrer, quand on met la toile dedans, c'est embêtant. Hein. Parce qu'entre-temps, on l'aura lavé. Alors, si on va peut-être regarder l'image en détail. Elle est belle. Hein. Mais les effets. Elle saute. Donc ces jolis petits champignons. Oui, vous l'entendez pas. J'entends le plafond. La toile est superbement imprimée. C'est très bloc, cette toile, j'adore. Donc on va avoir 7 couleurs. On a... Ah, on n'a pas le machin qui coupe là. Pas grave. On a 2, 4 aiguilles. Sait-on jamais. Faut au moins ça pour broder une si grande toile quand même. Hein. Du rouge, du vert, du orange, du rose moyen, du vert clair, du rose pâle et du bleu. Vous savez ce que veut dire le soupir. J'ai envie d'en commencer. Mais non. Non, Gwen, elle a raison en termes maintenant. Non, c'est pas vrai. Mais disons que ça va être la foire, mais j'aurais fini ma toile. Et encore non, parce que je vais passer commande chez mon ami Fancel et que je vais prendre une toile, une thé d'oreiller stitch pour Nena. Donc voilà, je vais encore me rajouter un truc à faire. Une bague hack pour ma fille. On arrive à notre dernier champignon. Champignon noir. Yes. Regardez-moi ça. Ça. J'adore. Une petite maison champignon avec la porte, la fenêtre, le petit papillon. Donc c'était la dernière qui me manquait dans cette collection-là. Voilà. Un autre toolkit avec plein d'aiguilles. Ça me change, hein, parce que quand vous regardez pour ma grande toile, mon dieu avec l'or. Et ben, ils ont oublié de me mettre le toolkit. Donc deux aiguilles ici. La toile. Franchement, elle est trop belle. Je me retiens. Aidez-moi. Non, je me retiens vraiment. Je vous dis, hein. Je vais finir cette tête d'oreiller cette semaine. Comme ça, la semaine prochaine, je peux en commencer. Hein. Et... Ah les couleurs, vous avez vu ça, elles sont trop belles, trop vibrantes, franchement, j'adore. Ouais, on a une mouche, ça s'assombrit. De toute façon, j'ai essayé de m'installer dehors pour broder et j'ai pas pu. Parce que il y avait tellement de vent que j'ai cru que mon grand parasol avait plié. Pourtant, je peux vous dire que c'est du solide. Hein. Mais, du coup, j'ai préféré tout fermer, rentrer. J'ai fait 3 points sur ma toile. Et puis après, je suis allée voir mon panier Pencil et Ligascraft pour savoir... Non, Ligascraft. Bah, je suis allée répondre à des mails. En fait, c'est parti de là. Et puis j'ai vu un mail Pencil. Et je me suis dit, bah attendez, attends, faut que je regarde mon panier Ligascraft. Et puis je suis partie, je suis sur Pencil. Et du coup, j'ai fait 2 paniers avec ce que j'avais chez Ligascraft. Et pour au final gagner, je crois, 50 euros sur ma commande. C'est énorme. J'ai pas encore validé. Mais ça ne saurait tarder. Bon bah voilà, on a fini cette vidéo. Gwen est trop contente. Elle a 2 nouveaux projets dans sa pile à broder. Ouais, on va le créer. Fini là, soudainement. J'ai peur les amis. Je pense qu'on va se prendre un orage sur la tronche. De toute façon, il est prévu qu'il pleuve. Hein. Donc, bah tant pis s'il pleut. Hein. Mais donc voilà, nous allons inventer la PAB. La
pile à broder. N'importe quoi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Plein de jolis petits projets pour moi. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus plus. Filme plus, hein.